Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur oula, j'ai appuyé sur une touche qui va pas sur mon ordinateur, sur White Knight. Ah oui, on avait la hache, je m'en souviens. Je sais plus comment on joue. Non, ça c'est courir. Oui, on va allumer et on peut aller dans la salle. Ah oui, la cave avec les tonneaux, tout ça. Voir le tragique destin d'Elena. Voilà. On va y aller en marchant parce que j'ai pas envie de gâcher des allumettes. N'est-ce pas? Ce qui va prendre un petit temps. Ok, on y est. Devant les planches. L'allumette me gênait, oui, c'est bon. Bon, ça c'est legit qu'il n'arrive pas à casser des planches avec une allumette dans la main. Ça je veux bien comprendre, mais c'est vrai que des fois il abuse un peu quand même. Pousser une chaise à une main, c'est faisable quoi. Même avec le pied, je le fais. Je parle quand j'étais au grenier. J'allais découvrir. Oh, j'ai gardé la hache, quoi. Oh mon dieu, mais c'est tellement rare qu'on garde des objets dans un jeu. Et je foire une allumette. Ah, et puis là, elle l'a gratté en 2 secondes. Oh punaise, qu'est-ce que c'est que ceci? Cinématrix. Chargement, la 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 la, chargement. Ce jeu se charge très lentement. Bah suivons les traces de sang. Bon sang, c'est changement de plan quoi. On ne met pas la caméra derrière puis devant. Hein, ça ne se fait pas. C'est quoi ces murs? Ils sont tout pas droits. Genre, qui est l'architecte? Qu'il se dénonce. Il a travaillé pour un James Bond, c'est pas possible. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans les vieux James Bond, les architectures, en fait, il n'y a rien de droit dans la base du méchant. Tous les murs et tout, ils sont toujours de travers en fait. Et c'est très rigolo. Selena et moi combattions le même ennemi. C'est pas ce qui est marqué. Et malgré la terreur, j'étais résolu à la protéger. On s'est trompé de réplique, les gens. Lumière. Tiens, je me demande, est-ce qu'il va y avoir un boss dans ce jeu ou pas? Je n'espère pas. Une intuition, ce pictogramme. Maya était un symbole de la lune. Oh punaise, ça sent la grosse énigme là quand même. Le panneau représentait une collection d'éléments alchimiques. C'est alchimique ça? Je ne suis pas sourd. La porte massive ne s'ouvrait pas, quelle que soit l'urgence. Effectivement, ça a l'air d'être plutôt massif. Attendez, mais il y a une trace là, j'ai même pas pu l'analyser. Il y a une trace, je peux rien faire avec. L'appareil dans la nuit et... Ouais, je fais des bruits bizarres des fois. Le manoir avait besoin d'un témoin pour que son drame existe. Il se servait de moi pour écrire son histoire. L'imprimait sur mon cortex. Avec une encre faite de sang. Et de ténèbres. C'est pousse quoi. La base attendait quelque chose. Que quelque chose vienne la compléter. Je vais trouver... Oh, pitié! Oh, mon dieu! Non! Je ne pouvais gagner par chance! Genre... Le jeu très intelligent... Eh, le joueur, il est en train de faire n'importe quoi, là! Qu'est-ce qu'on fait? William aimait vivre au milieu de choses mortes. Sacrées. Ou pas. Mais oui, tout est tordu, ici. Lumière. Ah 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 ah. Oh! Ça ne m'aide absolument pas, mais. Je crois que c'est un fauteuil de sauvegarde, je reconnais sa forme très distinctive. Allumette, il y en a encore 4. Tiens, attendez, il voulait voir un truc là. Punaise, des fois, il veut voir un truc et. Là, je peux la tourner, c'est normal. Je suis où? Mon personnage, il disparaît. Ah ah ah, c'est pour la sauvegarde, je pense, ouais. Là. Des menottes et des outils ensanglantés. Je ne pouvais pas y toucher. Les femmes étaient pour William une menace à sacrifier pour son salut. Pour son salut. Ah mince, faut que j'éclaire ça aussi avant. Attendez, on va le faire avant la sauvegarde. Juste du coup, on va gâcher une allumette. Ouais.
je parie qu'on va trouver le disque à mettre sur... Oh, regardez, en plus, il y a un truc qui a l'air d'être bien rond sur le truc, là. Ah non, c'est un masque. Je n'aime pas les masques, mais celui-ci semblait spécial. Comme ça a l'air bien creepy. Malédiction, tout ça. Ah, je peux analyser les menottes. William aimait immobiliser ses proies. Des livres à propos de rituels lunaires. Fertilité, initiation, meurtre. Genre, c'est où qu'on achète des bouquins pareils, quoi. Est-ce que je pourrais pas, voilà, éclairer habilement les deux trucs. Je puisse... Ah, photo. Oh mon dieu. Mais attendez, du coup, est-ce qu'il nous manque beaucoup de photos? Est-ce que j'en aurais raté, en fait? C'est ça la question. Ah, je crois que j'en ai raté une, là. Deux. Le problème, c'est que des fois, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir ramassé un appareil photo. Et puis, vu que je suis mort, je me suis pas donné la peine de le re-ramasser à nouveau. Donc, du coup, bah, je l'ai pas. Voilà. Sauvegarde. C'était le chapeau de William. Made in Vesper Enterprise, Boston. Bon, sinon, que dois-je faire? Eh bien, je ne sais pas. L'oiseau. Ah bah, je vais poser le masque dessus. On va bien éclairer ça. Pour que ça fasse quelque chose. Genre l'ombre. L'ombre va sélectionner trois symboles. Mon dieu, j'ai tout deviné. Vous ne pouvez rien faire. Ou peut-être pas. Je peux pas le tourner? Voilà. Voilà, c'est ce que je vous disais. Oh. Donc rond. Ouais, et tête de mort. Voilà, rond, petit signe dérivé de la femme, je crois. Écoutez, je m'y connais pas du tout en symbole. Hein. Et tête de mort. Oui, par là. Petit rond. Petit rond. Voilà. Le symbole, voilà, c'est celui-là, je le reconnais. Et tête de mort. Sauvegarde. Ok, on va continuer. C'est parfait. Rentrons dans les ténèbres. Bonjour. Je... Bon, heureusement qu'il y a le sang de Selena, sinon je serais en train de flipper, quoi. Il y a un flipper dans le coin que je puisse flipper. Voilà, flipper, 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 flipper. J'étais perdu. Mon esprit ne m'appartenait plus. Ma mémoire, dérobée, piégée dans le fracas d'un accident qui semblait être devenu le jour de ma naissance. Lettre de Selena. C'est quoi c'est... Cette nuit pleine de fantômes et de morts, cette nuit qui était la nuit du monde, m'avait pris à témoin d'un drame sans fin, avait fait de moi l'un des personnages de son intrigue. Je n'étais pas cette là, par hasard. Cette nuit pleine de fantômes et de morts, cette nuit qui était la nuit du monde, m'avait pris à témoin d'un drame sans fin, avait fait de moi l'un des personnages de son intrigue. Je n'étais pas là par hasard, non. C'est moi ou c'est légèrement labyrinthe? Les maisons de ce genre choisissaient leur histoire et leurs habitants. Elle les broyait, les rendait fous, et conservait leur folie dans leurs murs. C'est cette énergie qui les gardait en vie. Le visage de marbre... Qui les gardait en vie. Bah, je suis le sang. J'essayais de remonter mes souvenirs. Trouver l'image d'une femme, d'un enfant, d'un travail. Parce que j'en reviens pas sur mes pas, là. Pas de toile pour me la rappeler. Dans ce dédale, je me sentis plus seul que jamais. Ah non, je crois le que je suis arrivé. Il y aura toujours une loge pour des gens comme toi, Selena. Une loge noire. C'est quoi cet endroit? Où leur lumière peut croître. Dieu, je descends, c'est ça? S'ils ne meurent pas avant. Cette lumière qui émanait de toi, elle avait sans doute toujours été là. Attendez. C'était ta voix qui attirait les gens pour te voir chanter. C'était toi. Est-ce qu'il existe un speedrun sur le jeu comme Selena dans le monde des vivants? Peu probable.
Son éclat m'aurait brûlé vif. Mais ici, je n'étais plus un homme. J'étais devenu un papillon de nuit qui croyait voir dans sa lumière le début et la fin de toute chose. Ouh là là, c'est très mouillé comme endroit. Qu'est-ce que c'est que ce... Il y a des barques et tout, je peux pas monter dans une barque. Sans, mais où suis-je? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça sent encore le truc qui tourne là, ou je sais pas quoi. Non. Je sais même pas comment je rejoins les allumettes. En fait, j'ai fait le tour là. Je pense que je peux remonter par l'autre côté que je n'ai pas été. Enfin, je crois. Où suis-je? Oh, allez, quoi, les allumettes. Pire mécanique du jeu, les allumettes qui ne se grattent pas. Je remonte là, non? Mais je suis bloqué. Ouais, je cours un peu là. Je comprends rien de ce qu'il y a devant moi là. Bon, déjà, il n'y a pas l'air d'y avoir de fantômes. Ça, c'est déjà pas trop mal. Regardez, il y a signe. Ouais, mais je cours, alors. En fait, si ça se trouve, l'allumette s'éteint au bout de X mètres parcourus. Donc en fait, que vous couriez ou que vous marchiez, ça ne change rien, non? Enfin, je ne sais pas. Je dis peut-être n'importe quoi. Qu'est-ce que cela voulait dire? Je ne comprenais pas. Non, du coup là je peux... Ouais, c'est l'autre direction, non? Je viens d'où? Je suis perdu! Mais non, je suis jamais passé ici. Oh 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 oh, progresse! Mon dieu, 12 allumettes! Ça fait genre, on va plancher sur une énigme, là. Hé, hey, allume! Il allume rien, le gars! Wow, qui s'y prend? Oh, punaise. Bon, là, il y a que trois... Il y a pas beaucoup de possibilités, là, quand même, hein. Ouais, bon, faut que je fasse le bon truc pour que ça ouvre jusqu'en haut, c'est ça. C'est quoi? Moi, je compte essayer au pif. Voilà, tout est dit. Attendez, comment ça marche déjà? Ah! Faut que je refasse le symbole de la porte. Et c'est bon, je crois, en plus. J'ai de la moule, attendez. C'est l'inverse! Je suis trop deg! Ah non, voilà! Oh, alléluia! J'ai jamais aussi bien réussi une énigme. C'est fabulous. C'est quand même fabuleux, mais avec un accent anglais, ça fait fabulous. Je peux pas y aller. Un bug, monsieur, je suis trop grand pour la porte. C'est quoi ce délire? Bah, je peux même plus regarder les contrôles. Y'a un problème, monsieur. C'est un bug ou... Ça se passe comment, là? Mon mec devient fou parce que je ne suis pas dans la lumière, en fait. Ah non, je suis en... En fait, je suis sur un rocher au-dessus. Oh, punaise. La perspective. Je croyais que j'étais devant la porte, mais non. Faut que j'y aille, je sais pas comment. Attends, reprends des allumettes, oui. En fait, ouais, je suis devant un rocher et tout. Oh là 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 là. Comment je me serais déjà trop enfui par une fenêtre, moi, à la place du perso.
Ça tient vraiment pas longtemps hein, en courant. Foirage d'allumettes. Foirage d'allumettes. Merci, c'est trop gentil. Non mais ça c'est abusé. La définition même de l'abus, c'était lorsque je n'arrivais pas à gratter deux allumettes d'affilée. Pourquoi, je ne sais pas. La peur, sans doute. Je dois aller là, mais j'y vais comment? On peut pas y aller. Le mec, il résout l'énigme, mais il n'arrive pas à aller là où il veut, quoi. C'était pas ouvert avant, hein. Non? Il n'y avait pas des cercueils ou je sais pas quoi? Bon, je sais pas. La porte est assez grande. Pourquoi as-tu fait ça? Une petite sauvegarde là? S'il vous plaît, quoi? Merci. Merci, mais quelle bonté! Quelle bonté! Du coup, on va peut-être arrêter cet épisode là. Je crois qu'on est hyper proche de la fin. C'est pour ça qu'on s'arrête. Mais rassurez-moi, ça fait vraiment une vraie sauvegarde, j'espère. Non, on s'arrête là. Je crois que le prochain épisode sera le dernier ou l'avant-dernier. Parce que on est vraiment proche de la fin, il me semble. Voilà. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien à plus!